Donc salut à tous les amis, c'est Guitars Gamer et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Splatoon 2 puisque il y a un Splatfest, enfin il y a un festival voilà, qu'ils ont organisé pour justement les 35 ans de Mario. Donc en gros ça consiste à avoir deux équipes, donc je crois qu'il y a la première équipe c'est équipe champignon je crois, contre l'équipe étoile si je me rappelle bien. Donc voilà, ils ont fait ça uniquement pour l'événement des 35 ans de Mario, tout simplement. Voilà, donc je rappelle qu'il y a pas que ça, évidemment, pour les 35 ans de Mario, puisque pour les 35 ans de Mario, ils ont sorti le jeu avec la compilation, vous savez, des jeux de Mario, etc., genre Mario Galaxy, Mario 64 et Mario je sais plus quoi, enfin Mario, vous savez, avec le truc de l'eau, etc., là. Ils ont sorti exprès aussi un truc de Lego... avec la NES à construire, etc., avec Mario et tout ça, quoi. Et puis, il y a les produits, et il y a aussi également les produits Lego Mario. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait ça exclusivement pour les 35 ans, enfin, pour l'événement, en tout cas, les 35 ans de Mario. Donc, du coup, voilà. Donc, on y va. Ok. Ça, c'est un objet de... Voilà, c'est ça. Donc ça a démarré vendredi du coup, donc là où je suis en train de vidéo on est samedi du coup. Donc vous aurez la vidéo dimanche. Et donc du coup ça finit le dimanche 17 janvier à 23h. Donc dépêchez-vous d'y jouer vraiment. Donc vous voyez c'est l'équipe, je préfère le champignon contre je préfère l'étoile. Donc moi je pense que je vais plus choisir l'étoile parce que le champignon je sais pas trop manger de champignon donc voilà quoi. Donc c'est ça, ça a démarré vendredi à 23h et ça se finit le dimanche à 23h, voilà, simplement. Donc si on fait ça, vous voyez, je sais pas si on voit le logo au milieu. Ils ont fait ça également, exclusivement pour les 35 ans de Mario, quoi. Ok, donc là c'est les maps, normal, ainsi que la mer, d'accord. Il n'a pas besoin de prendre les maps comme d'habitude, voilà. Ça n'a pas changé. Ça fait très longtemps que j'ai pas rejoué à Splatoon 2, donc je sais pas comment je vais me débrouiller. Mais on verra bien. Vous voyez, j'ai pas encore le t-shirt festif, donc c'est pour ça que je vais choisir mon équipe, là. Alors, quand... Donc moi j'ai dit l'étoile, c'est parti. Paf. Et c'est bon. Donc normalement on est censé avoir le t-shirt festif. Nickel. Et avec la petite étoile dessus là. Voilà. Donc du coup on démarre en novice en étoile, simplement. J'ai l'impression qu'il y a pratiquement les autres qui ont choisi l'équipe des champignons du coup. Bon après c'est logique hein, mais bon voilà quoi. Donc voilà, ce que je voulais faire c'est ça, c'est aller donc dans le menu personnalisation. Voilà. Donc ce que j'ai acheté c'est ça là, c'est le double Kelvin, ok. Après j'ai le double voltigeur noir, j'ai le double encre, ça c'est bien. Le para-encre, le double encre griffé, ok. Le rouleau, le bassineur. Le bassineur c'est un peu comme le dépoteur, enfin c'est un peu comme le sauteur en fait. Hein. Mais sinon voilà quoi. Bon pour l'instant je vais rester sur Yarogun, voilà. Bon les accessoires je sais pas trop. Parce que bon, c'est quoi 2009? J'ai pas vraiment grand chose en accessoire, mais bon. J'ai le casque MK1, le casque Mecha, voilà quoi. Bon, le truc, bon, voilà quoi. Ah, j'ai des masques anti-Covid aussi. C'est quoi, juste pour le fun. Voilà, on se met dans les mesures d'hygiène. Ça, c'est bon. Bon. Les chaussures, j'en ai pas beaucoup non plus, hein, mais bon. Allez, prenez bon. On va pouvoir accéder au match. Bon, c'est parti. Ça, c'est comme d'habitude, hein. Avec l'Amazon. Pas comme dans Splatoon 1, voilà. Alors, face match normal, oui. Solo. Oui. Donc, pour l'instant, je gagne mon Aerogun, après on verra. Hein. Je pense qu'on va se faire deux matchs grand maximum, et puis voilà. On a déjà un spécialiste et une experte. Donc en guerre de territoire, on a les stages Gymnase d'ancrage, Institut Calamar et la plateforme polymorphe. Ok. Alors, il va falloir que je pense à me changer de pseudo sur Switch aussi. Si je peux, évidemment. Ça serait pas mal, là. C'est comment vous voyez les autres, hein? Ah bah merde. Ok. Ça commence mal, là. Solo, oui. J'espère que ça va être bon cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui se connaissent sur Splatoon 2. C'est un petit peu dommage. Peut-être que les gens entendent en 3, j'en sais rien. Voilà. On sait jamais, hein. Donc pour l'instant, on est 4. Donc on est équipe complète. Ah, c'est bon. Par contre, là, c'est étoile contre étoile. C'est pas normal, ça. Normalement, ça devrait faire étoile contre champignon, quoi. Bref, c'est parti, premier match. Ça fait tellement longtemps. Ah bah ça va être la plateforme polymorphe. Ok. Let's go.
On va voir si j'ai perdu la main ou pas. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Ouh là 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 là. C'est dangereux ça. Oulala, oulala. Ouah. Oh là, dommage. Bon, j'en ai tué un en même temps. Mais c'est cool. Bon, ça va, je vais pas trop perdre la main. En vrai, ça va, je me débrouille. Oh putain! J'avais pas vu ça! En même temps, le mec avec son sauteur, voilà quoi. Alors, c'est ça les gars. Oh putain! C'est dangereux ça. Non! Dommage. C'est pas ça la galère, hein. Ouais, c'est galère un peu aussi. Attention. Non. Non. Putain. J'avais mon truc de frais là. Une attaque spéciale ou je sais pas quoi. Putain, c'est dommage. Pourquoi il met des trucs de restriction, je sais pas quoi. Restriction de rester enclenché. Non! Dommage! Pas une bombe splash en plus. On va faire un joueur. Ouh! J'ai vu! Oh yes! J'ai vu! Dans la merde, mon pote! Oula. Putain, t'avais vu. Oh, ça fait. J'ai vu qu'il y a un zizoum. Vite. Ok, je crois que c'est la merde. Oula, oui. On a bien perdu, là. Ok, donc première défaite. On va faire un second match et puis on va s'arrêter là pour... Enfin, on s'arrêtera là pour la vidéo, quoi. Bon, bah, ok. Ok. Là, je suis toujours de niveau 17, hein. J'ai toujours pas avancé depuis, mais bon. continuez. Donc on va faire un deuxième match et puis la vidéo sera très là, quoi. Ok, pour l'instant on est 3. Espérons tomber contre une équipe, du coup, champignon. Donc champignon et étoile pour faire la référence à Mario, du coup. Je rappelle, évidemment. Eh ben non, on a toujours une équipe étoile. Ok. Bon, bah c'est pas grave. Non, et deux fois un match étoile contre étoile. Ok. Et c'est toujours cette plateforme polymorphe, là. Donc les cartes mortelles, ok. Bon bah du coup deuxième et dernier match pour cette vidéo. Et c'est parti. En vrai ça va, j'ai pas trop perdu la main sur ce plateau, non. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse l'histoire du jeu. Enfin le mode histoire quoi. En gros le mode aventure, enfin bref voilà quoi. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Ah, bien wesh. Bien wesh, mec. Bien joué, ça. Pourtant, on prend bien de l'avance. En plus j'en ai buté un, ouais. Hop. Merde.
Ah, c'était chaud! C'était chaud! Mais non, je suis toujours en scope, hein! Je vais t'avoir qu'à reprendre du terrain là. Putain, je t'ai vu, voilà. Merci, au revoir. Il y en a derrière. Hop là. T'inquiète pas, je t'ai vu. Oh le bâtard. C'est bon, je t'ai vu. Parfait. J'ai vu. Oula. On se voit devant. Parfait. On doit être pas mal là. Ça doit être pas mal. Ouah ! Ouh, j'ai chaud là. Je t'ai vu. Oh, dommage. Dans 3, 2, 1. Et c'est fini. Bon, on s'en est sorti comment là ? Attention. Oh, c'est chaud. Moi j'étais chaud, hein. À quelques pourcents près, 1% à quelques près. Oh dommage. Bon bah du coup deuxième défaite. Oh c'est dommage. Ah, pour 1% à quelques près, on était à ça de la victoire. On était à ça. C'est chaud quand même. Hein. Oh la vache. On va du coup quitter. Oh la vache, c'était chaud. Pourtant j'ai bien avancé dans le, enfin, le, dans la map et tout quoi. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bon. Et bah voilà quoi. Donc du coup, si vous avez apprécié ce gameplay, donc un petit retour sur Splatoon 2, bah n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter, évidemment de vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Et puis bah... Ah oui, j'ai oublié de dire un truc, c'est aussi merci pour les 1000 abonnés, donc ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment plaisir donc d'avoir atteint les 1000 abonnés, donc voilà, sur ma chaîne. Donc bah j'espère bientôt aussi les 1100 abonnés du coup, c'est mon prochain objectif. Bref, je pense que j'en ferai une vidéo dédiée à ça. En tout cas, donc, pour ce petit retour sur Splatoon 2, bah voilà, comme d'hab, hein, ça change pas, hein, c'est toujours des guerres des territoires, donc après voilà. Et dites-moi en commentaire aussi, encore une fois, si vous voulez que je vous fasse le petit mode d'aventure donc sur Splatoon 2, et puis voilà quoi. Et puis voilà, simplement. Bref, donc je vous laisse là, donc on se retrouve comme d'habitude dans 2 jours pour de nouvelles vidéos hein, sur ma chaîne. Et puis voilà, voilà. Bref, moi je vous dis à la prochaine, évidemment, c'est GuitarsGamer, et ciao à la prochaine les gens.